Hey, bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est SimGame, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous savez, je fais beaucoup de vidéos Inazuma, mais est-ce que je connais réellement la série? On va voir ça tout de suite en deux quiz que j'ai pris sur YouTube. On va d'abord faire le quiz d'Alexan, 10 questions pour les experts Inazuma Eleven, et quiz impossible sur Inazuma Eleven de Blacksmay. Pendant que les questions défilent, vous pouvez faire en même temps et voir votre score. J'espère que cette vidéo vous plaira. Juste avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour être au courant de mes nouvelles vidéos ou si mon contenu te plaît. Et nous, on commence tout de suite par le quiz d'Alexan. Ok, on a les règles, donc 10 questions, 1 point par question, 10 secondes de réflexion, ouais, logique, pas de triche. Bien entendu, hein, je mettrai les chaînes des quiz en question. Ok, question numéro 1, dans l'épisode 1 de Inazuma Eleven saison 1, combien y a-t-il de joueurs dans l'équipe de Rayman avant les nouvelles recrues? Il y en a 7, on a tout d'abord Mark, Kevin, Steve, et ensuite on a Jack, Todd, Sam et Timmy. Let's go, une bonne réponse, donc j'ai un point. Question 2, quel véhicule a renversé la sœur d'Axel? C'est un gros camion, voilà tout simplement. Let's go, un deuxième point. Question 3, sur la jaquette du jeu Inazuma Eleven Striker, quel joueur n'apparaît pas dessus parmi les propositions suivantes? Cannon Evans, Torch ou Sam Ford? Cannon Evans c'est sûr parce que c'est un joueur qu'on débloque par code là. D'ailleurs, merci Alexan de parler de Inazuma Eleven Striker, j'ai commencé un let's play, n'hésitez pas à aller le voir. Ensuite, on a Sam Ford, je crois. Je crois qu'il y apparaît, je suis pas sûr. Je dirais Torch, mais je suis pas totalement sûr. Ouais, c'est Torch, let's go. Combien d'équipes différentes ont été coachées par Red Arc, toutes saisons confondues et Inazuma Eleven confondues? Alors, je vais faire pause. Toutes saisons confondues, alors, on a Royal Academy, nouvelle Royal Academy, Orphée. Et dans Inazuma Eleven Go Galaxy, je crois, il entraîne l'équipe nationale ou je sais pas. De toute façon, j'ai jamais vu Go Galaxy, donc voilà. Bah, je dirais 4 d'instinct, mais s'il compte Ares, bah 5. C'est 4 ou 5. 11, pardon. Il a entraîné 11 équipes. C'est lesquelles? Ah oui, il a entraîné Zeus. Ouais, l'équipe D, je sais pas si c'est vraiment une équipe. Bon, bref, je vais pas juger, mais voilà. Ouais, voilà, j'avais peur qu'il compte à Ressorion. Ouais, bon, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, j'en vois 12, mais à mon avis... Ouais, non, mais oui, il a pas tort. C'est juste moi qui nul. On continue avec la question 5. Quelle est la date de naissance de Asuto? Bah, j'en sais rien. Pff, au pif, allez. On est en février. Je dirais... Asuto, il doit être du mois de mars, non? Vas-y, je dirais le 11 mars, mais je suis même pas sûr. Yes, il est du 3 novembre, excellent. Avec combien d'équipes différentes Arion a-t-il joué? Alors, je fais pause, hein. Même si c'est 10 secondes max, je m'en fous, ok? On a Raymond, on a les Sherwin, on a... dans le film, je sais plus le titre, mais le Inazuma Revolution, je sais pas quoi, là. Et on a également Go Galaxy, ça fait 4, je dois en oublier une. Ouais, non, je vois que ça, hein. Je vois que c'est 4 là, mais à mon avis, ça doit être plus. 12, allez hop, je suis vraiment mauvais. Ah, mais d'accord, aussi, je confonds, non, c'est pas que je confonds, mais je savais pas qu'Inazuma National et 11 Terrestre, c'était deux différentes équipes, oh, j'étais pas au courant. Ah oui, il a joué dans cette équipe aussi, ah oui, non, mais je suis débile. Du coup, attendez, Raymond, j'avais raison, Sherwin, j'avais raison, Raymond encore? Bah oui, mais attends, c'est lequel de Raymond? Mais oui, mais oh, ça compte deux fois Raymond, oh, tant pis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bah là, j'en vois 10, mais je dois en oublier deux. Eldorado 3, j'ai hésité en plus, celle-là, ouais, bon, tant pis. Ouais, assez compliqué le quiz. Mais attendez, je suis à combien de points là? Je crois que je suis à 3. Au pire, je verrai. Dans les jeux Inazuma Eleven, quel élément de douille? Je crois qu'il est type vent. Mais comme par hasard, ça va pas être type vent, ça va être type terre. Non, je dis type vent. Ah oh, bah si, c'est bon. combien y a-t-il d'étoiles sur la carte d'Inazuma Eleven, licence de Kira Hiroto, Xavier Schiller? Mais je regardais pas ça, moi, quand je regardais l'anime, ouais, par exemple. Il y en a 5. Allez, je vais dire 3. Non, 4. Oh, oh! J'ai pas triché, vraiment, j'ai dit 4, c'est 4. Hein. Quel est le nom de la super technique signature de Sakono et Billy Miller? Mais j'ai pas regardé en Jap, moi, j'ai regardé... C'est pas tir de l'ours. Super Gina. Ah yes, super. Il a pas une technique avec l'encre? Ouais, bon, pardon. Lors de la victoire du Japon au FFI dans Inazuma Orion. Mais super. Qui tient la coupe pour la remise des trophées et la photo d'équipe? Asuto, ça me paraît gros, non? Bon, on va quand même dire Asuto, hein, de toute façon, faut bien. Et ça va être Marc, tu vas voir. Ah non, c'est Asuto, bah j'avais raison. Ah bah c'est la fin de la vidéo, oui, super. Bon bah, je sais pas combien j'ai eu, je verrai au montage. Bref, le quiz, il était un peu compliqué, on va pas se mentir. On va passer tout de suite au deuxième de Blacksmay, quiz impossible, c'est parti. Okay, on va juste taper, on va mettre au niveau des règles. Ok, 10 questions sur Inazuma, 1, 2, 3, voilà, déjà ça c'est mieux. 10 secondes comme tout à l'heure, mais je vais faire des pauses, hein, parce que je suis un petit tricheur. Mettre pause, si tu le souhaites, je ne viendrai pas vérifier. Tiens, tu vois, en plus, il me l'autorise.
de site internet Inazuma est inutile. Jouez vraiment le jeu. Ouais, ouais, de ouf. Ok, les 10 questions, c'est parti. Quelle est la date de naissance de Mark Evans? Ah, super, c'est du mois d'août. Donne-moi les dates. Ah, il donne pas de date. C'est du mois d'août, c'est 22 août, je crois. Est-ce que je suis un clutch là? Bon, allez, let's go. Je suis trop fort. Je vous jure, j'ai pas triché. Pour elle, 22 août, bah justement, je vais sortir une anecdote. Si vous voulez, la date de naissance de Mark Evans, c'est le même moment où le premier jeu Inazuma Eleven est sorti. Voilà. Quel est le joueur qui intègre Raymond à la 8ème place? Oh, c'est Nathan. Ça, tu vas voir, ça va pas être Nathan. Non, c'est Nathan. Ah si, j'avais raison, Nathan. Mais faut que je me fasse confiance, moi. Dans quelle ville Axel reste caché dans la saison 2? C'est Okinawa, juste avant de venir face au nouvel Epsilon. Allez. Je pense que c'est une ville, une de mes préférées dans la saison 2, en vrai, elle est très stylée. L'attaquant de feu dans la saison 2, bah c'est Claude, hein. Claude Beacons, alias Torch. Attendez, pourquoi y a Ricitas? Axel Blaze. Et bah non. C'était faux, c'était bien évidemment Torch. Ah ok, d'accord. Ah oui, mais moi j'ai coupé le son, il a laissé le son. Bah tant pis, je coupe le son, mais je comprenais pas pourquoi il y avait Ricitas, moi. Dans quel épisode exact et Celia se font... Ah, je crois que c'est 108 ou 109. C'est 108. Oh, mais je suis vraiment un clutcher. Et je vous jure, je triche pas. Mais j'ai pas à me justifier. J'ai l'impression que je suis en garde à vue. J'ai pas à me justifier. C'est bon. Je suis vraiment trop intelligent en fait. Contre quelle équipe Thiago Torres a-t-il joué pour sauver l'une des filles? C'est les démons noirs. Je sais pas comment ils appellent. Ouais, non, bah là, vas-y, ça comptera pas, mais c'est. Ah, voilà, la Dark Team. Ah, je cherchais, bon, pas grave. Tant pis. Combien de joueurs sont sélectionnés pour la sélection japonaise? En tout. Parce que sinon, c'est 16, mais s'ils comptent les joueurs arrivants, du coup, on en a 16. Après, il y a Kevin qui vient, David, mais c'est tout, hein. Kevin est 18. Je trouve que je me trompe totalement. Ah non, 18, c'est bon. Comment s'appelle le capitaine de la Corée du Sud? Je sais plus. C'est Chang, je crois, à la fin, mais... Ah, je sais plus du tout. Ouais, bah là, va trouver. Ah non, même pas... Ah oui, Choi, voilà. Comment Red Dark est-il... Ah, oh, mais non. Mister D, voilà. Mister D, allez. Voilà, dernière question qui arrive. 2-1, je pense, hein. Je crois qu'il a marqué une fois, mais après, c'est tout, hein. Je crois 2-1. Allez, je suis trop fort. Et bien voilà, on va se quitter pour cette vidéo Inazuma Eleven. Je pense avoir été à peu près correct. Mais voilà, j'ai pas encore tout vu Inazuma Eleven. En fait, je pense que je suis très bon dans les 3 premières saisons. Mais après, tu me demandes Go et Arès Orion, je suis un peu nul. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, tu peux mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je te dis à la prochaine pour plus de vidéos. Bye.